en episodios anteriores. Héros, bonjour les gens, on est au mois d'avril, on est 2-3 mois après la session d'enregistrement. La barbe a poussé, les cheveux ont poussé, je crois que je suis pas allé chez le coiffeur entre temps. Oh my god! Oh my god! Wow! Oh, t'es moche! Et là on retourne chez Biaz cette fois-ci pour une grosse journée de mix, c'est parti! Mesdames et messieurs, nous arrivons à destination de Roche, nous allons nous arrêter quelques minutes histoire de refaire le play. Et nous attendons d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Merci. Bon, là, je vais acheter les croissants et les chocolatines pour le petit-déj. Mais il y a un petit détail, c'est que j'ai oublié qu'on est samedi matin. Et le samedi matin, à Auch, il y a le marché. Donc, on va voir comment on fait. Mais ça va, il n'y a personne, quoi. Et voilà, le Graal. Le mec avant moi à la boulangerie, la boulangère le tutoyait tellement il est grand quoi. Tellement c'est un habitué. En vrai ça peut complètement partir en unboxing dans un quoi. Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une session unboxing baguette et campanile. Et aujourd'hui on va unboxer ensemble ces petites merveilles. Alors là j'ai hâte de les goûter, regardez bien ce qu'on a. Oh là là, qu'est-ce qu'on a. Waouh, la taille des chocolatines. Oh là là. Et notez bien qu'aujourd'hui on dit chocolatine hein, là où je suis, on dit pas pain au chocolat. Lol, trop débarre. Ok, après qu'est-ce qu'on a. Mais qu'est-ce qu'on a là. Ça c'est du croissant au beurre ça les amis, regardez bien, je vous montre. La texture, c'est moelleux, c'est croissant au beurre. Ça déborde, j'en ai plein les doigts, lol. J'en ai trop plein les doigts, j'en ai trop marre là. Et là qu'est-ce qu'on a. Ouah, on a deux baguettes. Oh là, hé. Salut toi. La taille des baguettes, là pareil, si j'appuie. Et vous entendez le bruit là que ça fait? Incroyable. Bref tout le monde, merci d'avoir été avec moi pour la session unboxing et on se retrouve pour le mixage tout à l'heure. Allez, ciao. C'était vraiment très intéressant. Et voilà, on vient d'arriver chez Biaz. Je pense que là, je vais à peine arriver, Bailey va gueuler. Ça va pas manquer quand je suis arrivé, Bailey elle a gueulé. Je l'avais dit. Attention, entrée du grand monsieur dans 3, 2, 1... À la potion magique. Maintenant. Il est là. Putain, il est là. Comment tu vas, grand monsieur? Bah ouais, ça va bien. J'irai chier chez vous après. Eh. Non, je ne crois pas, non. Tout là, il est, c'est beau, là, comment ça va, là, pour qu'on se casse-casse-faire. Et en plus, on les fout sur la même piste. Remets-y un coup. Pardon? Remets-y un coup, ouais. Oui. On les foutra sur la même piste, comme ça, on ne fera pas. Bon, c'est bon, on a les cuivres. Du gâteau royal, quoi. Ça, ça ressemble à rien. Ok. Un peu plus là. Alors, c'est ici là. Et ces deux là. Ouais, okay. Essaye de le mettre avant pour voir là où il tombe. C'est sent bon. Parle, c'est... il est 10h30, tu vois déjà. Il est fabuleux, mec. Il est fabuleux. C'est 51, ouais. Ouais, on se le goûte après. Ouais. Ça, c'est pas du parfum, ça. C'est du... C'est un parfum. Ça ne se boit pas. Casse-toi, l'Indien.
ça va pas. Non, c'est bon. Stop, là. Bah, on va dire que c'est là. J'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire. Pourquoi faire? Paf. En fait, c'est ce qui pose problème, c'est que c'est pas tant qu'on soit... Arrête là. D'accord. Lève-toi. Debout. J'ai accusé le même. Non mais le truc c'est pas tant qu'on parte un peu aventure. Un peu derrière ou quoi, c'est que en fait on est on essaie de rattraper derrière, on court après, ça fait donc du coup ça donne un effet de presse et ça c'est ça qui est chiant en fait. Et ouais. Mais ça tu peux pas. Ça pas trop. Le commerce finit en 44M et je dis le ratio. Attention, je dis une grosse saloperie. Continuez Jackson. Mais on le fait deux fois ça, on fait palipopepipopopida. Le deuxième je pense qu'il est plus en place. Exactement. Est-ce qu'on peut pas prendre le deuxième? Si on peut. Gardez-le. Le faire. Putain il est fort ce con. Mais à mon avis parce que. On peut le faire. Ça va coûter plus cher, mais on le dit. Après c'est pas marqué sur le devis mais. Ouais. Oh putain! C'est là qu'il y a un truc qui tombe. Qui tombe? Ah ouais? Ah après? Qui tombe? En fait, je sais pas si tu te rappelles, il y a un truc qui s'est cassé la gueule sur l'armoire de Gérard. Ah oui! Et on l'entend, c'est avant. Le faux boomerang, tu sais, qui tombe là. Et on l'entend, ouais. C'est en vrai, il faut le mettre à plus l'infini DB, je pense. Je peux le faire écouter. Je sais plus où il est. Là. Ah là ouais. C'est là, tout le monde, j'en sais pas. C'est sur la piste room, non? Ouais, vas-y, mets-le sur la piste room, ça. Et là par contre, on peut rien faire. Ça on attend de mettre le solo de batterie alors. C'est ça à la limite avec la première, tu sais, papi-pum, ça je décalerai un chouïa dans la batterie un peu plus tard. Ah il y a moyen ouais. On verra quand on l'aura. Ouais. En gros ça. La première moi je pense qu'il y a moyen de. Ouais. Même la deuxième parce qu'en fait c'est avec la première que c'est papi-psh. Tu sais, comme tu mets la cymbale là, ça fait un truc où on descend toujours. De toute façon, pas la première. Fondue. Bourguignonne, oui. Comment le public de merde ce soir? Donc, vous voulez prendre un assortiment là pour qu'on grignote Ouais, moi je grignoterai pas des masses, mais oui, si vous voulez prendre. Genre, on prend un truc qu'on se partage. Les entrées. Les entrées. Je peux te piquer la souris en plus, le dessert. Le dessert. On va manger au thaï. Ouais, après, c'est super bon. Elle me régale, cette bagnole. C'est bien. Par contre, c'est la voiture de fonction. Bon, bah, les vides, c'est pas grave, ça. Oui. Tu fous le régulateur et tu roules comme un vieux. Après, profiter du Gers. Le taf, le matin, je suis à 160. Ouais. Et tiens, à 160. Oui, tu vas à 160. Je suis tout le temps là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de types dans le Gers qui font ce qu'on fait, là. Je suis pas sûr. Non, ouais. Je pense pas non plus. Été. Tourne sur la chaise. Pas beaucoup qui sont venus jusqu'à là, c'est pas terrible. Pas grand monde quand même. Le taille il était très bon, un peu trop. Et là on repart pour 4 heures de mixage. Tu nous fais un tour du domaine, Diaz? Oui. Alors vous pouvez ici voir l'étole en exposition. L'étole. Il y a l'étole. D'accord. Faisons un petit point de déco. L'étole, elle sert à quoi? L'étole, elles sont ici pour de la déco artistique. Mm-hmm. On peut voir un essieu de charrette
fait à partir d'un essieu de deux chevaux. D'accord. Donc voilà, ici nous avons l'entraînage. Oui. Comme ça, ça cale l'étoile. Ici, un autre essieu. Voilà, une baramine. Ah, attendez, je crois que le fauve arrive. Il faut te faire très gaffe, il est très dangereux. Très dangereux ? Il est très dangereux, c'est un chien très. Vous travaillez souvent avec des tigres comme ça ou pas ? Non ? Oui, il faut faire très gaffe, ça vous emporte une main ça. Montrez-nous. Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Ah, la main est partie, ah, la main est partie. Ah, je vous l'ai dit, quelle gueule cette chienne. Regardez. Regardez. Ah, oui, la main. Ouh, oh, c'est... Regardez. Rodriguez. Je fais un cours. Tu vois ? Donc en fait ça va limiter à... C'est pas mal tu vois, je crois. Et tu vois, ça, ce genre de palin, tu vois, ça, la, ouais. Ça l'empêche d'être beaucoup trop fort. Ouais. Tu vois, là après on la met en général à... Mais la reverb. Aïe, coup dur pour Guillaume. Ça fait 2h30 qu'on s'est remis à mixer et on va faire une petite pause quand même. Hein les gars ? Petite pause quand même là. Comment ça ? Ouais, le lézard au soleil, on commence à avoir les basses plein les feuilles là. Plein les feuilles ! Qu'en pensez-vous, madame Aurélie ? Qu'en pensez-vous ? Mais il va le faire, Orphée. Biaz. Oui. Est-ce que vous êtes con... Est-ce que vous préférez ? Question piège. Oui, bah, est-ce que vous préférez que ce soit moi ou Coleman qui vient aujourd'hui faire le mix avec vous ? Je préfère que ce soit Basic Coleman. En fait, non. Que ceux qui viennent. D'accord, ok, je suis super déçu, je me casse. De toute façon, je me barre, j'en ai plein le cul avec cette équipe de merde. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Tu es le maillon faible. Au revoir. Vas-y, viens, tu montres un peu la basse, là. Elle est bien, la basse, là. Elle est bien, la basse, hein. Putain, j'en peux plus, là. Ça fait 3 heures, là. Voilà. Bon, déjà, premier temps de coupe bas. Oh, je suis désolé pour ton PC, hein. Putain, là, c'est... Qu'on lui met dans la gueule. Oh! N'hésite pas à marcher, bien. C'est bon. On a vu ça? Ouais, super. Tu peux monter un peu la. Sa note qui est aux alentours des. Je sais pas, 110. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une fin de journée de mixage. J'espère que. Ça vous aura plu, la session enregistrement et mixage. On compte faire de nouvelles vidéos comme ça à l'avenir. Donc surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux disponibles. Et puis, on vous tient très vite au jus pour de nouveaux contenus. Allez, ciao !